It's on. We're on. Welcome. Okay. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue. Alors, bienvenue. Bienvenue ici à cette session de l'Alliance sur la protection de l'enfant, voir comment nous pouvons intégrer la protection de l'enfance dans les différents contextes. Bonjour, je suis Monica. Et je travaille ici au sein de l'unité basée à Genève et aujourd'hui dans le cadre de cette session avec ma collègue Laura d'ailleurs qui va se présenter elle-même. Bonjour, bonjour à tous. Je suis Laura Lee. Eh bien, je travaille dans le domaine de la recherche sur le bien-être, l'éducation et la protection de l'enfance et je vous souhaite une excellente session. Merci beaucoup, Laura. Et nous souhaitons vous souhaiter la bienvenue à cette session. Alors, nous allons revenir sur quelques éléments pratiques pour profiter au mieux de cette session. Alors, évidemment, à titre de rappel, voici juste notre code de déontologie, de rester professionnel. Nous allons pouvoir travailler ensemble. Nous respecterons la confidentialité des données. Nous serons évidemment ici attentifs face à l'écoute. Et si possible, si votre connexion le permet, eh bien, vous pouvez également allumer votre caméra pour qu'on puisse se voir. Et nous vous demandons par contre d'éteindre vos micros si vous n'avez pas de commentaires à faire afin que l'on puisse ici éviter tous les bruits ambiants. Et n'hésitez pas à interagir avec nous, à nous poser vos questions, nous faire part de vos commentaires. Et comme vous le savez, nous avons également de la traduction disponible ici en français, en espagnol et en arabe. Alors, par contre, il est important de noter que pendant les ateliers, eh bien ici, il n'y aura pas ici d'interprétation. Donc, merci de bien vouloir également changer vos noms et de mettre les initiales de la langue de votre choix à la fin, après votre nom. Aujourd'hui, nous allons travailler sur notre stratégie de l'Alliance, stratégie ici qui va orienter notre travail jusqu'à 2025 pour les trois prochaines années. Et nous allons nous focaliser sur la priorité 3. Nous parlons ici de la collaboration et de la programmation intégrée et multisectorielle. Nous reviendrons ici au début de session sur le mainstreaming et différents concepts associés. Et ensuite, nous aurons deux présentations de prévues pour aujourd'hui. La première présentation nous vient de Turquie. Elle a été préparée par Save the Children. Nous allons revenir sur la protection des adolescents, ici syriens et turcs, dans la région de l'Altay en Turquie. Et Hilal Maliki et Youssef ici. Et nous ferons cette présentation. Et la deuxième présentation serait une présentation de Camila Fabri sur la violence scolaire, la dépression. Ici, étude qui a été faite auprès des réfugiés du Burundi et de la République démocratique du Congo. Et là encore, nous aurons le temps d'échanger, de poser des questions. Et voici, ensuite, vers la fin de cette session, ce sera à vous de travailler. Il y aura donc des échanges en petits groupes. Nous reviendrons sur les défis principaux et sur les solutions potentielles,
S'agissant de l'intégration de ces services de la protection de l'enfance dans les différents secteurs, j'espère que tout est clair et nous allons commencer. Mais juste avant de commencer, eh bien, c'est important de mieux se connaître. Vous voyez donc ces deux questions. Et si vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans le chat, dans la boîte de discussion, c'est ici un lien qui vous mènera jusqu'au site Menti. Vous allez pouvoir répondre à ces deux questions. Donc la première question était, quel était votre jeu préféré quand vous étiez enfant? Et la deuxième question, est-ce que vous avez un animal de compagnie et comment il s'appelle? Est-ce que le lien est bien dans la boîte de discussion? Alors, on commence par cette première question. Alors, quel était votre jeu préféré quand vous étiez enfant? Alors, quelqu'un a répondu. Alors, cache-cache, oui, ça, je connais bien. La corde à sauter. Les poupées, bien sûr. Un, deux, trois soleils, et oui, un grand classique. Le jeu des sept familles. Ah, très bien, grimper aux arbres. Moi aussi, j'étais une grande fan dans mon jardin. Racing and running, of course, football. Le football. Nintendo. La Nintendo. Et oui, les jeux vidéo, bien évidemment. Ah oui, sauter dans les flaques, ça reste un grand classique, hein, je pense même aujourd'hui. Great. Eh bien, merci. Lots of nice, interesting games that keep moving. Alors, c'est intéressant. Merci d'avoir partagé cela avec nous. Et on peut directement passer donc à notre deuxième question. Ce n'est pas fini. Alors, si vous avez un animal de compagnie, et quel type d'animal? Alors, votre animal de compagnie, qu'est-ce que c'est comme animal? Ah, évidemment, le chat, les chiens dominent, mais on voit aussi des poules. Certains n'ont pas d'animaux de compagnie, c'est aussi acceptable, évidemment. Perroquets. Frogs. Des grenouilles. I have a turtle. I should put it in the chat. Ah, moi, j'aurais dû le mettre, j'ai une tortue. Zombie dog. What's a zombie dog? Eh bien, chien et chat dominent, évidemment. Hamsters. Ah, certains ont un hamster. Dogs, lizards. Un cochon d'Inde. Oh, Yana is saying, well, that's really sweet, Yana. Buccaneers. That's nice because that used to play with you. That's lovely. Eh bien, c'est. We like this question about childhood, no? It all brings us. Eh bien, c'est important finalement que de se souvenir de ces moments. Intéressant. Ah, certains ont aussi des lapins. Je vois des oiseaux. On avait déjà parlé du perroquet tout à l'heure. Alors, les vaches, évidemment. Moi aussi, j'adorerais avoir des vaches. Alors, merci. Merci d'avoir contribué, d'avoir partagé ces réponses avec nous. Et je passe tout de suite la parole ici à Camilla. Pardon, Laura, excusez-moi. Thank you. Next slide. Great. Thank you so much. Parfait. Donc, on va commencer. Alors, par rapport à ici aux sessions, donc si vous avez déjà travaillé avec l'Alliance et si vous savez que nous avons donc changé de stratégie et nous allons nous concentrer sur le troisième pilier, notre priorité 3, il s'agit ici de la programmation et collaboration intégrée et multisectorielle.
L'objectif, par conséquent, est de s'assurer que la protection de l'enfance et le bien-être des enfants est priorisé dans toute collaboration transverse, y compris les programmes intégrés multisectoriels, à travers l'ensemble de l'action humanitaire. Alors, c'est important de garder ça à l'esprit aussi pour les discussions que nous allons avoir en petits groupes cet après-midi. Monica, vous voulez peut-être reprendre sur les différents concepts s'agissant de ces programmes et de cette collaboration intégrée multisectorielle? Merci Lara. Yes, you can. Okay, so we've been talking to Mats and we continue to talk about. Alors, nous avons échangé, si j'attends du mainstreaming et de l'intégration, voir comment est-ce que l'on peut renforcer notre collaboration avec les différents secteurs de la santé, de l'éducation, d'autres parties prenantes. Il y a évidemment des différences. Et avant, ici, de revenir sur la terminologie, sur les concepts, eh bien, là encore, vous allez pouvoir répondre ici à une question sur le Mentimètre, sur le site Menti. Alors, le lien est toujours dans le chat. Et pour vous, quelles sont les caractéristiques principales d'un programme intégré? Donc, c'est la question qui vous est posée. Vous avez ici plusieurs possibilités de réponse, toujours sur le site Menti. Est-ce que vous pouvez remettre le lien? Alors, en fait, tout simplement, c'est le même lien. Vous devez juste cliquer sur « question suivante », mais je vous remets le lien dans le chat, dans la boîte de discussion. Merci donc de cliquer à nouveau sur ce lien. Alors là, on voit des réponses qui arrive. Ok. Parfait. Eh bien, ici, il semblerait que la majorité d'entre vous, pense évidemment qu'il est important ici d'avoir des résultats collectifs pour une forte collaboration entre les secteurs. Which show us the difference between the next one, please. This one, the main difference between mainstreaming and integration. Alors ici, par rapport à l'intégration et le mainstreaming. Alors, lorsqu'on parle de mainstreaming, ce sont des actions qui sont prises dans un secteur spécifique afin de promouvoir un environnement de protection digne et sûr et d'appliquer ici le principe ici de l'absence de danger. Alors, un exemple, ce serait, par exemple, notre programme WASH qui prend en compte, par exemple, le statut ici, tout handicap possible, le genre des enfants, afin de pouvoir gérer ici différentes initiatives. Alors que lorsqu'on parle d'intégration ici, il s'agit plutôt de programmes qui sont spécifiques à un secteur. On parle d'une compréhension plus holistique ici du bien-être des enfants. Et ça passe par une évaluation commune, des objectifs communs, une mise en œuvre, un planning à travers différents secteurs. Et par exemple, ça peut être des thèmes comme le mariage des enfants. Donc, intentionnellement, on se focalise ici sur l'intégration et toujours par rapport à ces objectifs de cette priorité 3. Je sais qu'on est un petit peu en retard, donc je ne vais pas ici élaborer, mais juste pour vous dire que tout est dans notre documentation, dans nos brochures. Et sans plus attendre, je vais vous présenter ici la première présentation. Et avec nous, nous avons Hilal Donel, Melike Aker et Bülent Üser, qui viennent de Save the Children en Turquie
Et sans plus attendre, je vous passe la parole à tous les trois pour votre présentation. Hi, dear guests. Yeah. Bonjour à tous. Bonjour de Turquie. Je suis Bilent. Je travaille pour Save the Children en Turquie. Avec mes collègues aujourd'hui, nous allons revenir sur notre projet. Et notre projet vise à accroître ici l'accès à l'éducation chez les adolescents et les adolescents syriens et turcs en passant par des programmes intégrés. Ok, welcome again. And next slide, please. À nouveau, bienvenue à tous. Alors tout d'abord, laissez-moi vous présenter notre région du projet, donc à l'Altai. Je suis désolée, pour l'instant, nous ne pouvons pas entendre l'intervenant. Et donc, c'est un projet qui est situé dans la région de l'Altaï en Turquie. Can we proceed? Yeah, okay. Now, I would like to invite you to go Mentimeter. Et à nouveau sur Mentimètre. Le lien est toujours dans le chat. Et nous avons des questions pour vous. The first question is, la première question est donc la suivante. Largest refugee population since 2014. Option A, true, and option B, false. Alors, est-ce que la Turquie est le pays hôte ici? Est-ce que la Turquie est donc le pays qui accueille le plus de réfugiés, vrai ou faux? Ah, je suis désolée, il y a eu une petite confusion au niveau des questions. Okay. On va y arriver, je vous demande quelques instants de patience. Yes, you are seeing the voilà la bonne question. Alors, est-ce que la Turquie est le pays et accueille la majeure partie des réfugiés depuis 2014? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Est-ce que donc la Turquie est ici le pays ayant accueilli le plus de réfugiés? Alors, c'est vrai. On parle de 3,7 millions de Syriens, plus 400 000 Afghans, Irakiens et d'autres nationalités. And we can proceed to the next question. Alors, on a une autre question pour vous, puisqu'au total, nous avons trois questions. Alors, notre région, notre province de l'Altaï, ici, eh bien, accueille 400 000 Syriens qui bénéficient du statut temporaire de protection. Alors, est-ce que c'est vrai ou faux? Je vous donne quelques instants pour répondre. Yes, this is true. Hatay is c'est vrai. The third rank considering the density of refugee population. Oui, en effet, la taille ici accueille un nombre important de réfugiés. Et nous avons une dernière question sur Menti. Les réfugiés afghans en Turquie ont aussi le droit d'accès au programme de protection temporaire plutôt que au programme de protection internationale. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Est-ce qu'ils bénéficient donc de ce statut temporaire?
Yeah, I see that it's almost equal. Alors là, il y a eu un doute, hein, 50-50, mais ce n'est pas vrai. Car en effet, les Afghans font partie de cette protection internationale, alors que les réfugiés syriens ne bénéficient que du programme de protection temporaire. C'est parfait, donc merci d'avoir répondu à nos questions et nous revenons donc sur les diapositives de notre présentation. Merci encore d'avoir contribué en répondant aux questions sur Menti. Thank you. Hatay is located in Syria. Alors, la Hatay, comme vous pouvez le constater, est à la frontière ici avec la Syrie. Et 30% de la population ici représente des populations ici de réfugiés syriennes. Save the Children a donc financé différents projets, notamment à Antakya, qui est donc le chef-lieu de cette province. And next slide, please. Our programming focuses on strengthening child protection mechanism in Turkey. Alors ici, s'agissant de la protection de l'enfance, nous avons donc mis en place différents programmes. Ici couvrant l'éducation, mais aussi ici en dehors du cadre scolaire. Nous avons ici impliqué les travailleurs sociaux, les enseignants, afin de pouvoir réellement proposer un cadre complet. L'objectif étant de soutenir l'accès à l'éducation, de lutter contre la pauvreté des enfants. Les équipes travaillent en étroite collaboration afin de pouvoir mener des évaluations. Je vais donc prendre ici le relais par rapport à ces activités et je vais essayer d'expliquer justement comment est-ce que nous essayons de promouvoir la protection de l'enfance. Alors, je suis spécialiste de la protection de l'enfance en Turquie. Dans notre programme, ici en Hatay, nous avons une équipe de 10 responsables de la protection de l'enfance, avec qui, dans le cadre de réseau avec des enseignants, propose une assistance, par exemple une assistance s'agissant de l'inscription à l'école, mais aussi disséminer les informations avec différentes sessions pour les enseignants, pour les parents, mais aussi pour les enfants. Mais nous allons aussi parler des différentes activités, bien évidemment, mais l'objectif est de soutenir les familles en ciblant spécifiquement les enfants qui sont déscolarisés ou qui sont en échec scolaire ou de communautés de réfugiés. Et nous avons donc ces différents programmes qui travaillent donc sur ces différents aspects. Et je voudrais ici me concentrer en particulier sur l'éducation. Notre équipe travaille en collaboration avec les différentes municipalités parce que dans le cadre de nos objectifs de localisation, il est absolument important d'impliquer les autorités locales comme partenaires clés du succès de ces projets. Nous avons donc mené ici différentes initiatives en matière d'éducation, sur la protection de l'enfance, l'éducation des enfants, et d'autres activités comme par exemple gestion de la salle de classe ici ou environnement propice au développement de l'enfant. Tout au début de ce programme, nous ne savions pas exactement combien tout allait s'orchestrer, s'articuler. Cependant, nous avons vu qu'après l'introduction du programme, nous avons reçu en fait un nombre élevé ici de signalements
On parlait de 800-900 signalements nous provenant des écoles et c'est pour cela qu'en fait, nous nous sommes dit qu'il fallait avoir une approche beaucoup plus intégrée. Et c'est ainsi que nous avons réalisé que dans les écoles, il manquait réellement une sensibilisation des connaissances s'agissant de la détection ici des risques pour les enfants. Et nos coordinateurs ici ont commencé justement à parler de l'intégration des programmes de protection de l'enfance au sein des écoles. Ça a été un défi très clairement au début, mais par la suite, nous avons vu que nous pouvions réduire très fortement les risques. Alors, comme vous le savez, il est important ici de pouvoir impliquer toutes les équipes. Et les équipes d'éducation, ici, nous ont envoyé ici tous les éléments importants. Et il est important que ces risques prennent en compte. Notamment les aspects d'éducation. On parle aussi du renforcement des capacités, des renforcements des capacités qui est évidemment nécessaire. Et je sais que nous allons revenir sur les différentes activités de ces programmes. Je te passe la parole, Melike. Dans le cas de ce protection de l'enfance et des programmes, eh bien, nous incluons évidemment tout un processus ici de signalement de ces enfants qui sont faits par les services sociaux. C'est un programme qui est absolument essentiel afin d'avoir une intervention ici complète. By the way, I can't open my camera by myself. okay, thank you. To empower families and to create income generation, the livelihood activities target. Par rapport aux familles, eh bien, nous avons aussi des programmes qui touchent l'ensemble de la famille avec l'accès à l'emploi, avec la génération d'un revenu, avec l'accès à des micro-prêts pour lancer une activité et promouvoir ainsi le bien-être de toute la famille et la scolarisation des enfants. In detail, you will see now in detail, child protection program provides case management services in line with the steps. Comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, en matière de protection de l'enfance, nous avons mis en place ici une gestion du cas par cas avec différentes étapes de protection, avec un soutien niveau 2, niveau 3, comme vous pouvez le voir sur cette pyramide. Nous avons aussi impliqué les enfants avec des initiatives spécifiques, y compris un soutien psychosocial. Dans le cadre des programmes qui ont été mis en place, nous avons ici répondu aux besoins à différents niveaux pour ces enfants et leurs familles. Alors, ça a été une première introduction par rapport à nos projets, mais maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons donc nous diviser en groupes de travail pour avoir ici des exemples de scénarios en lien, évidemment, avec notre expérience sur le terrain. Alors, dans le cadre de cette introduction, on n'a pas pu rentrer dans les détails. Donc, ce que l'on vous propose, c'est d'avoir deux salles ici. Et surtout, n'oubliez pas que si vous avez besoin d'interprétation en arabe, en français ou en espagnol, merci de rester dans cette salle, puisque l'interprétation ici eh bien, sera disponible. Donc, vous avez deux groupes possibles, mais si vous souhaitez ici suivre et profiter de l'interprétation, vous devez rester dans cette salle et nous allons donc organiser ces deux groupes. And or if you're ready, I'll open up the rooms. Je vais donc ouvrir les salles de réunion virtuelles si vous êtes prêts.
C'est bon, c'est parfait. C'est parti. Est-ce que vous souhaitez vous rendre dans une des salles de réunion virtuelles? Oui, mais je n'ai pas reçu d'invitation. Non, c'est à moi de vous placer, donc je vais vous placer vers la salle 1 et Malika, je vous emmène dans la salle 2. Et vous avez ensuite maintenant la parole, Bülent, pour cette session. Bülent, vous voulez prendre la parole? Enfin, débuter la conversation? Vous pouvez ouvrir votre micro, enfin, l'allumer. Et pour les autres, n'hésitez pas à allumer vos caméras, vos micros pour prendre la parole. Je voudrais partager le scénario 2. Désolé, ça prend un peu de temps. Donc je partage, c'est bien ça? Ok. So we are discussing about the scenario 2. Nous allons donc parler du scénario 2. Vous avez un programme intégré en collaboration avec une municipalité particulière. Cependant, votre projet touche à sa fin dans quelques mois. Vous n'avez pas d'expérience dans le fait de donner un projet ou de faire une transition et vous ne savez pas comment la municipalité va conserver certaines activités en gardant les fonds. Donc, les questions sont les suivantes. Quelle serait votre approche et quelles seraient vos solutions? Donc, pour clarifier, si vous êtes encore dans la session plénière, il s'agit d'une salle de réunion virtuelle. Donc, n'hésitez pas à allumer vos vidéos, à allumer vos micros, à participer. Et si vous êtes sur le Jamboard, vous pouvez commencer à remplir vos réponses. Bülent, peut-être qu'il faudrait partager maintenant l'écran du Jamboard. Désolé. Ce n'est pas ce que je pensais. Alors, donc, je recommence. Est-ce que je devrais partager l'écran plutôt? Oui, peut-être que ce serait mieux, effectivement. Things happen in life. I've actually made a copy, so let me just reshare. Donc, je vais repartager ça. Because I think there were a lot of people in the other one, so in the chat box. Donc, dans la boîte de discussion, je vais poster le lien. Et si vous voulez vous rendre sur la deuxième diapo, vous verrez le deuxième scénario dont nous parlons ici. Voilà, je vous vois tous maintenant. Alors, le premier commentaire, c'est donc comment est-ce que vous concevez, comment est-ce que vous feriez votre projet pour améliorer la capacité à faire un projet intégré? Alors, pour le propos ici, il pourrait s'agir d'une évaluation de besoins, peut-être identifiée dans un premier temps ce qui se passe avec la municipalité et quel type de plan de capacité
pourriez-vous développer? Peut-être que l'on pourrait chercher une sorte de source de financement local pour de la formation, du renforcement de capacité. Si vous avez cliqué sur le lien et que vous cliquez ensuite sur le quatrième bouton à gauche, vous pouvez taper vos propres réponses. Vous pouvez participer de cette manière. Sinon, vous pouvez tout simplement prendre la parole, allumer votre micro. Si vous tapez quelque chose dans le chat, quelqu'un pourra l'ajouter également. Donc, si nous sommes tous entre collègues ici, donc s'il y a besoin, nous pouvons copier vos messages dans le chat. Donc, moi, j'ai mis mon post-it ici, mais peut-être que vous préférez que je prenne la parole. Oui, il faut converser, n'hésitez surtout pas. Donc, dans ce cas-là, bon, ça n'est pas très nouveau, mais de mon travail face à certaines urgences où il faut travailler avec différents secteurs, il a été tellement important d'avoir un groupe de travail, peu importe le nom, vous vous rassemblez et vous vous coordonnez, car je pense que c'est la chose la plus importante dans la conception d'un projet, d'avoir toutes les personnes qui sont censées être impliquées rassemblées ensemble et coordonnées. Oui, bien sûr. Merci pour le partage. Oui, je peux prendre la parole maintenant. Je suis celle qui a mis un post-it avec plein d'erreurs, mais bon, voilà. Par rapport à mes recherches, je penserais peut-être à, par exemple, travailler sur des ateliers où vous reflétez vraiment, où vous réfléchissez aux activités du programme et à la planification et quels sont les résultats que vous souhaitez obtenir et quelles pourraient être les conséquences et les résultats qui pourraient être transversaux entre les différents secteurs pour voir s'ils couvrent les aspects d'intégration qui vous intéressent. Encore une fois, bon, ce n'est rien de très nouveau. Merci. Pas de commentaires, non? Hola. ¿Sí me escucha? Sí. Irene, again. Hola, voy a hablar en español. Oui, nous vous entendons. Bonjour. Je vais parler en espagnol. Désolée. Je préfère l'espagnol tant qu'il y a de l'interprétation. Donc, d'après notre expérience, au niveau de notre travail au sein de la communauté, ce qui a été fondamental pour intégrer les programmes dans les communautés, ça a été de travailler avec les écoles, les familles, et également, en dehors de l'école, nous avons travaillé à des espaces de lecture, des éléments culturels. Nous avons établi des diagnostics à partir du point de vue de la communauté. Nous pensons que c'est quelque chose qui nous permettra de faire une évaluation des besoins. C'est une pratique qui a fonctionné très bien pour nous jusqu'ici. Merci beaucoup. Thank you for your share. Yes, très bien, merci pour votre partage. Oui, le travail de communauté est extrêmement important. Yeah. Assessment of needs. Sure. Pour sure. L'évaluation des besoins, tout à fait, Monica, oui. My friends, bonjour, chers amis. Je souhaite contribuer.
C'est super de voir tout le monde, même si ce n'est que virtuel. Par rapport à ce que Fiamma a dit, je pense qu'au niveau de la coordination, d'après mes expériences, la coordination est très utile, mais le mot clé pour moi est la durabilité. Et je pense que la durabilité devrait avoir une place au sein d'un atelier sur l'intégration, car je pense que souvent, les gens ont de très bonnes intentions, mais comme on le sait tous, les choses peuvent facilement se diviser. Donc, je pense qu'il faut délimiter les responsabilités et expliquer comment est-ce qu'on peut rendre ce processus durable. Comment est-ce qu'on fait en sorte que cela fonctionne pour qu'il y ait un impact durable? Voilà, ce serait pour moi le mot-clé, la durabilité basée sur le fait de délimiter les responsabilités et les distribuer. Donc, merci pour votre partage. Je pense que cela est lié à la capacité des partenaires. Pour certains partenaires en Turquie, leur capacité n'est pas suffisante pour conduire un projet, le mener à bien. Donc, nous préférons faire des évaluations de partenaires avant le projet de façon à identifier si nous continuons avec eux ou non, si cela va affecter la durabilité du projet. Il y a quelque chose d'autre que je souhaiterais ajouter. Pour moi, l'inclusion, la connaissance locale et le renforcement de capacités qui est lié à la durabilité est très, très important. Ce sont des aspects très importants de ce que j'ai vu dans différents contextes. Ça ne compte pas vraiment. Partout où il faut travailler avec des systèmes locaux et des gouvernements, nous sommes des invités quand on arrive dans un pays. Je pense que dans le contexte humanitaire, on ne se comporte peut-être pas toujours comme tel. Il y a des systèmes parallèles parfois qui entrent en jeu. Donc, je pense que l'inclusion des partenaires locaux, inclure la connaissance locale est très important. Parce que lorsque l'on arrive dans un contexte, nous pensons que nous en connaissons beaucoup, que nous en savons beaucoup, mais il faut respecter, inclure la connaissance locale, les capacités locales. Et si on veut les renforcer, je pense qu'il est très important d'avoir une approche intégrée, notamment en termes de durabilité. Oui. Bülent, by the way, group one is here already. I just wanted to inform you. Welcome, group one. Le groupe 1 est de retour, juste que vous soyez au courant. Oui, il reste une petite minute, donc vous pouvez continuer. Si vous souhaitez ajouter quelque chose au scénario 2, n'hésitez pas. Merci beaucoup, le groupe 1. Vous avez vu deux scénarios. Vous avez de la chance. Hello. Bonjour. Hello. Yeah. Bonjour. Bonjour à tous. Je suis du Sierra Leone. Lorsque l'on parle de collaboration avec les communautés, avant d'établir un projet particulier, il suffit de faire une cartographie des services. Lorsque vous faites cela au sein d'une communauté, de façon à ce que lorsque vous mettez en œuvre un projet, si vous ne pouvez pas tout fournir, vous pouvez
vous référer à une liste de personnes qui travaillent dans le même secteur que vous. Donc, il est important de cartographier au début du projet pour avoir des bons partenaires. Si vous voulez mettre un projet sans faire cette cartographie des services, vous trouvez parfois à la fin de la mise en œuvre d'un projet que vous ne pouvez pas atteindre les résultats parce que la plupart des éléments ou des choses que vous souhaitez fournir, vous n'y avez pas forcément accès. Donc, si vous établissez la cartographie lors de la phase initiale du projet, vous réussirez à atteindre vos objectifs. Voilà ma contribution. Merci beaucoup, Mendem. C'est très, très important ce que vous venez de dire. Nous prenons cela en compte, effectivement. Si cela est fait avec la participation de la communauté, cela est encore plus significatif et a encore plus de sens. Est-ce que je peux demander au dernier groupe, le groupe de Melike, est-ce que tout le monde est de retour? Oui. Donc, Melike va faire la conclusion. Merci. Est-ce que je pourrais repartager l'écran, s'il vous plaît? Est-ce que je dois le partager ou est-ce que vous le faites? Melike, je crois qu'il ne reste que 2 minutes. Donc, peut-être que vous pouvez commencer et je partagerai ce dont nous avons parlé dans notre groupe. Concernait donc ces petits post-it que vous voyez à l'écran. Excusez-moi. Il y a écrit donc formation, plus de formation, plus de suivi, l'implication de la communauté. C'est ce qui est ressorti de notre première discussion. Si on passe au deuxième scénario. On voit le renforcement de capacité, l'implication de la communauté, encore une fois. Avec un suivi de supervision, si vous passez à la suite. Vous voyez ici plus de formation, des mesures confidentielles. Notre approche qui se concentre sur les partenariats avec les acteurs de la région au niveau de la santé sexuelle et reproductive et de la santé mentale. Et pour la diminution des risques, nous sommes concentrés sur la confidentialité. Dans les 3 scénarios, ce qu'on peut dire, c'est les mots qui ressortent, c'est la formation, la gestion, l'implication de la communauté. Voilà la conclusion principale, c'est ce qu'on peut dire. Merci beaucoup pour vos contributions et de nous avoir écoutés. C'était très agréable de vous rencontrer tous. Je pense que je n'ai plus de temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toute l'équipe pour cette belle présentation et ce travail de groupe. Je voudrais maintenant présenter notre prochaine oratrice, où nous allons donc parler d'un sujet suivant sur la dépression, l'école et le climat à l'école. Je m'appelle Camilla Fabry, je suis chercheuse à la London School et je vais présenter les résultats d'une étude qui explore la relation entre la violence à l'école, la dépression et le climat à l'école parmi des réfugiés, enfants congolais et au Burundi en Tanzanie. Donc nous avons fait notre étude en 2019 au camp de Nyarugusu dans la région de Tanzanie et à ce moment-là le camp avait environ 1500 réfugiés. La moitié étaient des réfugiés congolais qui étaient là depuis l'établissement du camp à la moitié des années 90 et environ
bien plus sont arrivés depuis le conflit au Burundi en 2015. En 2020, la crise en RDC et au Burundi ont été listées comme les crises les plus négligées au niveau des réfugiés. Donc, il s'agit d'une crise humanitaire prolongée et sévèrement sous-financée. Ce contexte à ce camp, comme dans de nombreuses situations, est caractérisé par une situation de surpopulation, une manque de sécurité générale, des contraintes de ressources sévères et un manque de système de protection. Et on sait tous que ce sont des facteurs de risque connus pour la violence envers les enfants. Il y a un risque accru de violence et nous n'avons pas beaucoup de preuves à part des anecdotes. Il y a un manque de données rigoureuses sur la violence envers les enfants et cela nous a empêchés de concevoir des réponses de prévention et des programmes dans ce contexte. Donc, avant de regarder les résultats avec plus de détails, je voulais tout d'abord regarder des chiffres pour comprendre quelle est la prévalence de la violence envers les enfants dans le contexte instable de l'Afrique de l'Ouest. Donc, nous pouvons maintenant passer au Mentimeter où vous allez trouver deux questions qui vous posent donc les questions suivantes. Quelle est la proportion des jeunes entre 18 et 24 ans qui ont souffert de violences physiques avant l'âge de 18 ans au Rwanda? Et la même question, quelle est la proportion des jeunes âgés de 18 à 24 ans qui ont subi de la violence sexuelle avant 18 ans en Ouganda? Et si vous passez maintenant au Mentimeter, vous pouvez, je crois, voter soit pour les femmes ou pour les hommes. Oui, vous pouvez commenter si vous le souhaitez, Camilla, et ensuite passer à la suivante. Alors, je veux que l'on vous regarde ce qui se passe. 60% a l'air d'être la réponse la plus courante pour les jeunes filles qui ont rapporté de la violence physique au Rwanda. Nous pouvons passer à celle d'après et voir ce que vous pensez de la prévalence chez les garçons de la violence sexuelle au Rwanda. On parle d'un contexte plus stable, car cela provient d'enquêtes nationales. Donc, cela concerne la totalité de la population et non pas un contexte humanitaire particulier. Mais c'est intéressant de voir que les gens ont des points de vue assez différents, ou des hypothèses en tout cas, à moins que vous ne connaissiez la réponse déjà. On peut passer aux deux questions suivantes. On dirait encore une fois que 60% reste la réponse la plus populaire. Nous parlons ici de tout type de violence. Nous ne nous concentrons pas sur un contexte en particulier ou sur un type de violence en particulier. On parle de foyer, à l'école, au niveau de la communauté, n'importe quel type de violence qui aurait pu être subie. Encore une fois, on se trouve entre 60 et 70. Je pense qu'on peut passer à la question suivante. C'est intéressant de voir ce que les gens pensent. 60% option. Okay, I guess that there's agree. Okay, a few think is a bit lower when you talk about. Donc c'est un petit peu plus bas là lorsqu'on parle de l'Ouganda cette fois-ci. Mais encore une fois,
Très bien. On peut peut-être retourner à la diapositive principale. Merci beaucoup de votre participation au vote. Donc, merci d'avoir voté. Voici les réponses aux questions que je vous ai posées. Donc, basé sur la dernière enquête nationale la plus représentative, nous avons au Rwanda 37% de femmes et 60% d'hommes qui ont subi de la violence physique dans leur enfance. Et en Ouganda, nous avons 35% de filles et 17% de garçons qui ont subi de la violence sexuelle pendant leur enfance. Voilà quelques chiffres pour vous donner un petit peu de contexte. Encore une fois, cela vient de contextes assez stables en Afrique de l'Est. Donc, nous savons à partir de chiffres qui viennent de ces enquêtes représentatives nationales que les pères et les professeurs apparaissent comme étant des auteurs principaux de ce type de violence. Nous pouvons maintenant passer à la diapositive suivante. Donc, en 2019, nous avons conduit donc l'étude PIVAX, donc prévenir la violence contre les enfants à l'école. Il s'agissait d'évaluer la prévention de la violence dans les écoles primaires et secondaires. Dans le contexte de cette étude, nous avons fait 3 sondages différents avec des étudiants et des professeurs dans toutes les écoles du camp. Ce que je vais faire maintenant, c'est vous présenter les résultats de notre enquête initiale. Dans cette première enquête de 2019, nous avons fait plusieurs choses. Tout d'abord, estimer la prévalence de la violence contre les enfants de la part des pères et des professeurs. Nous voulions estimer la prévalence de la dépression et de ses symptômes parmi les enfants sur le camp, et nous voulions explorer la relation entre le climat à l'école, la violence et la dépression. Ce que je vous montre ici, désolé, c'est petit, mais c'est les estimations de prévalence que nous avons calculées dans le camp de Nyarugusu. Comme vous le voyez, les enfants sur le camp ont subi de grands niveaux élevés de violence. Si on regarde de la part de professeurs, on voit que plus de 80% des élèves ont rapporté avoir subi une forme de violence physique de la part de leurs professeurs, et 56% ont rapporté de la violence physique de leurs professeurs lors de la dernière semaine. Cela atteint 59% dans l'école primaire. 18% ont rapporté avoir subi de la violence émotionnelle cette dernière semaine. Nous avons trouvé peu de différence entre les filles et les garçons. En tout, 3% des élèves ont rapporté avoir subi une violence sexuelle de la part des professeurs dans leur vie. Et c'est un petit peu plus élevé que dans d'autres contextes où nous mesurons la violence sexuelle avec un outil similaire. Tandis que la prévalence, les données précédentes sur la violence physique est similaire à celle que nous avons étudiée ailleurs. Lorsque l'on regarde la violence des pères, on voit que 14% ont rapporté de la violence physique lors de la dernière semaine, 15% ont rapporté une violence émotionnelle lors de la dernière semaine. Encore une fois, la violence physique et émotionnelle étaient similaires entre les filles et les garçons, mais elles sont bien plus élevées en école primaire. Environ 8% des étudiants se sont révélés positifs aux symptômes de dépression. Ce sont donc des contextes où les élèves subissent de grandes violences, et nous savons, grâce à des études qualitatives que nous avons menées dans ce camp, que les punitions corporelles et la violence sont perçues comme acceptables, très acceptables même, comme forme de discipline. Donc cela explique
un peu ces nombres. On peut donc passer à la diapositive suivante. Nous avons de nombreuses preuves qui montrent qu'un climat positif à l'école est bénéficiaire pour les élèves et cela a de bonnes conséquences sur leur comportement et leur avenir. Nous savons également qu'un environnement positif à l'école est particulièrement important pour les enfants qui sont au risque de se sentir aliénés ou isolés, ce qui est le cas des enfants déplacés notamment. Et tandis qu'il y a beaucoup de littérature, il manque une dimension universelle du climat scolaire, si on peut dire. Dans certaines études, nous avons identifié 4 dimensions en utilisant les données rapportées par les professeurs. Donc, le climat scolaire comprend la qualité de relation, la satisfaction du travail des professeurs ainsi que leur bien-être. Il y a une dimension liée aux pratiques des professeurs et l'éthique, et ainsi que des opportunités d'implication dans la prise de décision pour le personnel et les étudiants. Can go to the next slide, thank you. So we really relied on this concept. Alors, nous nous basons ici sur cette conceptualisation pour comprendre ici justement c'est eh bien ici l'environnement scolaire et les résultats scolaires et faire cette corrélation et mieux comprendre ici le rôle de la violence à l'école et les symptômes de dépression. Nous avons donc vu, je suis désolée, ce n'est pas très clair ici sur cette diapositive, mais on a vu que s'il y avait plus d'implication de la part des enseignants, mais aussi des enfants, et bien que très souvent, ça entraîne et bien des meilleurs résultats. Et on voit que cela entraîne des taux de dépression inférieurs. Donc, pour interpréter ces résultats, eh bien, ici, dans un contexte où eh bien, les punitions corporelles ici sont considérées comme acceptables en matière disciplinaire, eh bien, c'est important de comprendre que dans les écoles où justement où l'implication des enseignants et des élèves est plus importante, et où il y a plus d'activité, eh bien ici, cela a un impact sur le niveau de violence utilisé. Le deuxième résultat concernant l'association, le lien entre l'efficacité de l'enseignement et les taux de dépression, là encore, ici, rien de nouveau, puisqu'on voit que les écoles où il y a plus de structures, où les enseignants se sentent ici plus en confiance, eh bien, en général, c'est plus facile de pouvoir aider les étudiants et les élèves. Alors, ça peut être ici assez surprenant parfois, mais il faut adapter cela en fonction du contexte, car les contextes peuvent être différents, surtout s'agissant des réfugiés ou des demandeurs d'asile. Alors, pour conclure, je voulais ici souligner à quel point en matière de financement que nous pourrions ici agir en matière de conception et d'intégration de la protection de l'enfance dans les services d'éducation et d'enseignement. Ce que nous pouvons constater, c'est qu'en effet, les écoles peuvent être des environnements de protection, des environnements sûrs dans la plupart des contextes. Cependant, on voit que les acteurs de violence sont très souvent aussi les enseignants
et les enfants eux-mêmes. Donc, par conséquent, il est important de comprendre à quel point eh bien, ces comportements peuvent être ici influencés parce que cela a un impact sur eh bien, l'école et l'éducation des enfants réfugiés. Les écoles représentent tout de même une plateforme idéale s'agissant de la prévention de la violence, mais aussi parce que ici, certaines de ces écoles doivent intégrer un grand nombre d'enfants et que dans ce contexte, nous avons également vu que les enfants les plus jeunes sont à un risque plus important de violence, notamment les écoles primaires. Donc, il faudrait peut-être ici les considérer comme prioritaires. Et pour les taux de dépression, comme mesure de protection contre cette dépression, on voit qu'il faut intégrer ici des mesures, des interventions en matière de protection de l'enfance, y compris un soutien, un accompagnement psychosocial et mental pour les enfants et pour les enseignants. Je conclue donc ici ma présentation avec ces références. N'hésitez pas à les consulter. Je vous remercie de votre attention. Merci Camila. Alors maintenant, nous avons quelques minutes pour des questions. Donc n'hésitez pas ici. Si vous avez une question, vous pouvez la poser oralement, mais vous pouvez également poser votre question dans le boîte de discussion. Donc n'hésitez surtout pas. Si vous avez une question, un commentaire, nous serons ravis de pouvoir répondre. Une première question. Alors, Alissa nous demande si l'on peut partager ces diapositives. Oui, bien évidemment. Donc, Megan nous a posé la même question. Oui, bien sûr, nous partagerons ces diapositives avec vous. Yes, thank you, Julie. So the slides and all the presentations will be shared in our. Toutes les slides ici seront partagées sur Philo. Alors, je vois quelques mains levées. Je vais commencer par Alison. Alison, si vous souhaitez ici intervenir. Bonjour à tous, bonjour. Vraiment, merci pour ces présentations. Je travaille pour Plan International et je suis spécialisée dans l'éducation et la protection de l'enfance. Alors, ici, je pense que c'est intéressant, j'ai pas bien compris votre logique, c'est-à-dire que lorsqu'il y a plus ici d'implication des enseignants, entraîne plus de violence. Alors du coup, j'ai pas bien compris ici votre logique. Donc si vous pouviez peut-être élaborer sur ce point. En fait, ce que nous avons constaté, lorsque l'on parle avec les enseignants, eh bien ici, il y a beaucoup de preuves quantitatives ici qui expliquent qu'un bon enseignant, eh bien ici, est un enseignant très strict, qui ici, eh bien, ici, utilisera la violence physique comme discipline, comme mesure disciplinaire. Et par exemple, utiliser ici une règle pour ici frapper les élèves, est fréquent. Et cela est conçu comme réellement ici, une mesure disciplinaire tout à fait acceptable et cela montre que vous êtes un bon enseignant.
Donc ici, lorsque l'on voit que les décisions sont prises par les enseignants, en général, eh bien, ce mode disciplinaire et cette acceptation de la violence physique ici entraîne eh bien, une plus grande utilisation de cette violence. Et donc, alors que dans les écoles, où ici c'est un peu plus structuré au niveau de l'administration, c'est-à-dire qu'il y a moins d'implication des enseignants dans la prise de décision et qu'il y a donc un respect des normes et des réglementations qui, par exemple, sur le camp, il est interdit d'utiliser la violence corporelle, eh bien ici, on constate qu'il y a moins ici de punitions corporelles qui sont administrées. En tout cas, c'est ce que nous avons constaté par rapport à votre question. Et du coup, est-ce que vous travaillez sur ces points avec les enseignants? Oui, exactement, c'est ce que nous faisons. Et beaucoup de recherches également pour pouvoir partager des informations, mais aussi mettre en place des mesures de prévention. Ici, j'ai également dans le chat posté le lien pour que vous puissiez ici eh bien, consulter toutes les références. Merci beaucoup. Merci, Alison. C'est évidemment très intéressant. Il y a encore deux mains levées. Donc ici, je vais tout de suite poser la parole et donner la parole à Aïda. Aïda, vous aviez une question. Bonjour, bonjour à tous. En fait, j'avais la même question. Donc, excusez-moi, j'aurais dû baisser la main. Donc, en fait, je voulais juste avoir ces clarifications. Et je ne savais pas si j'avais bien compris, mais je vous remercie, c'est clair, du coup. Merci. Et donc, je vois une autre main levée de Youssouf. Youssouf, GSF. Alors, par rapport à la prévention de la violence, alors, est-ce que ici, cette recherche est effectuée avant ou après la formation des enseignants? Est-ce que vous savez, par exemple, si les enseignants que vous avez ici consultés, est-ce qu'ils ont été formés sur ces questions de discipline? Ici, ce sont nos évaluations de base, de référence, donc avant toute formation, toute intervention, pour répondre à votre question. Ah, évidemment, il y a d'autres efforts sur le camp de sensibilisation, sur l'utilisation de la violence. Mais ici, très clairement, il s'agissait de ce programme ici pour une évaluation de base, de référence. Je vous remercie. Et si cela répond aux questions, c'est parfait. Et je vais ici passer ici à la session suivante. Alors, il y a d'autres questions. Eh bien, ici, Camilla, Hilal répondront à ces questions parce qu'il y a des questions dans le chat. Donc, merci ici de poster vos questions dans le chat. N'hésitez surtout pas. Mais j'aimerais donc passer maintenant à la suite. Alors maintenant, après avoir ici comprendre ce qu'ont fait nos panélistes, vous allez encore une fois en groupe et nous allons vous poser quelques questions. Première question. Alors, pour vous, quelles sont les principales barrières par rapport au mainstreaming de la protection de l'enfance ici, identifiés pour cette coopération interagence? Et même question, mais cette fois-ci, au niveau de la programmation, cette fois-ci, quelles sont les barrières ici pour avoir justement l'intégration de ces mesures de protection d'enfance
dans les différents programmes élaborés. Donc ici, quelles sont vos suggestions? Vous allez travailler en groupe de travail et ensuite une personne de ce groupe ici eh bien, reviendra sur ces éléments. Et donc ici, et nous allons donc travailler en groupe et une personne peut-être fera le rapport. Donc merci de participer lorsque vous serez dans les différentes salles. Alors évidemment ici, nous n'aurons pas nécessairement la possibilité d'entendre ici chaque débat, chaque échange. Cependant, si vous avez des éléments importants, eh bien, nous essaierons ici de les partager ensemble en plénière. Alors, j'espère avoir été claire. Je ne sais pas si vous avez des questions avant que l'on puisse donc se lancer. Et puis, on peut y aller directement les groupes de travail. Et vous avez 7 à 8 minutes maximum. En effet, donc merci beaucoup. Encore une fois, tout sera documenté et donc vous aurez 7 à 8 minutes. Je vous remercie. 7 minutes, je dirais même. Merci. Vous allez donc maintenant être orienté vers ces salles et ici. Eh bien, si vous êtes resté dans cette salle, eh bien, vous avez toujours la possibilité de bénéficier de l'interprétation. Donc, Monica, comment souhaitez-vous procéder? Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, ici? Oui, bien sûr, aucun problème. Alors, j'aurais dû apporter mes lunettes, je ne vois pas grand-chose. Alors ici, dans cette salle, n'hésitez pas, si vous voulez bien allumer votre caméra, qu'on puisse se voir. Je vois donc Camila qui est avec nous, Alex est avec nous. Donc n'hésitez pas, allumez vos caméras. Mamadou, Jean Didier, vous êtes tous là, Myriam. Okay, so let's just talk about the first one. What are the main three barriers? Donc ici, première question. Les trois principales barrières auxquelles nous devons faire face en tant que praticiens sur le terrain par rapport ici à cette coordination des réponses et de l'intégration donc de la protection de l'enfance entre les différentes agences. Alors, n'hésitez pas si vous souhaitez intervenir. C'est une discussion. Vous pouvez donc allumer vos micros. Monica, sur ce thème, c'est vrai que nous avons ici différents groupes de travail, mais c'est vrai qu'il y a même un an, c'était assez difficile pour nous. On n'avait pas de collègues qui faisaient partie du groupe. Alors, c'est sûr que c'est important dans le secteur de l'éducation, mais c'était très difficile au niveau de la coordination. On n'avait pas cette participation. Et de même, il faut pouvoir ici échanger au niveau de la coordination et ce n'est pas facile quand on n'a pas nécessairement les bons acteurs autour de la table. Alors, si j'ai bien compris, eh bien, on n'a pas toujours de possibilité, de mécanisme en place pour l'échange. Oui, je pense que, par exemple, en Turquie, eh bien, on pourrait vraiment améliorer cette coopération. Je ne sais qu'on n'a pas nécessairement de mécanisme en place pour cet échange.
Je suis d'accord avec vous. Clairement, une des difficultés est aussi de comprendre les besoins, avoir évidemment une terminologie commune, un langage commun. Et c'est aussi ici important de pouvoir comprendre, en fait, finalement, ici, ce que cela représente. Et ça fait partie, évidemment, de ces processus. Et un autre thème qui me paraît essentiel, c'est de pouvoir aussi rentrer dans les détails, voir par rapport à ces stratégies, lorsque l'on conçoit ces programmes, donc là encore, pour moi, il s'agit vraiment de cette capacité commune, essayer d'avoir vraiment, je dirais presque une formalisation de ces échanges. But I can't Do you have the board open on your screen? Oh, go to slide 10. We're in 10. Okay. Ah, okay. Alors, donnez-moi quelques instants que je puisse également afficher cela au tableau. It's not taking me there. You hit the arrows? Yes, but it's not. Where is it taking you? Nowhere. Not taking me anywhere. Sorry. That's all right. Donc là, pour l'instant, ça ne marche pas. Je n'ai pas possibilité. Non, mais ne vous inquiétez pas, je vais le faire. Dites-moi. Alors ici, il s'agit de comprendre. Ici, avoir peut-être une meilleure mécanisme de coopération. Je ne sais pas. Vous avez une main levée ici, Yvonne. Oui, par contre, c'était plutôt la deuxième question sur les barrières en matière de programme. Personnellement, c'est l'interprétation des compétences. Alors, pour la protection de l'enfance, en général, c'est assez complexe. Si vous voulez impliquer tous les acteurs, il faut donc par conséquent surmonter de nombreuses barrières ici. Donc en fait, ce n'est pas du tout facile. Et lorsque vous essayez d'intégrer cela au niveau de la programmation, vous verrez que dans certains secteurs, c'est compliqué. Parce que ici, parfois, il y a différentes mesures possibles, comme accroître le nombre des enseignants, accroître le nombre des classes. Alors, au niveau des nombres, des chiffres, c'est très bien, mais ça ne suffit pas comme objectif. Il faut aussi qu'il y ait ici des réponses qui peuvent être apportées. Et c'est vrai que les chiffres ici, parfois, restent faibles parce qu'il faut penser aussi à tous les programmes différents, impliquer les familles. Et aussi, il faut absolument qu'il y ait une génération de revenus qui soit durable. C'est important parce que dans d'autres secteurs, par exemple, eh bien, il n'y a que les chiffres qui comptent. Et par conséquent, on ne parle pas toujours le même langage. Donc, c'est difficile de se mettre d'accord sur des cibles, sur des objectifs. Oh, breakout rooms are closing in 30 seconds. Alors, il vous reste 30 secondes pour cet échange en salle, en groupe ici, en petit groupe, 30 secondes. Oh, sorry. What, would you like me to put something on a sticky note there? I don't, tell me how you'd like me to... Yeah, that one, like scaling up. Solidate. Alors ici, on a parlé des chiffres. On va donc ici mettre une note. C'était un excellent commentaire d'Yvonne. C'est vrai que par rapport aux cibles,
difficult. For, yeah, maybe if you put it in the, oh, here we go. Yeah, thank yeah. you. Perfect. In the chat is great. Yeah, it's also c'est parfait. I don't know how to summarize yeah, any no, of this. I know, I'm sorry. Not my area. Alors, nous avons donc résumé ce commentaire. Thank you, Yuli. Sure. I really don't know what, yeah, what happened with why I couldn't okay. click on that. Anyway, everybody. Alors, merci beaucoup. Tout le monde est de retour. Yes, thank you, Julie. Lara. Alors, d'abord, merci à tous d'avoir participé. Parce que vraiment, j'ai entendu des discussions fascinantes. Il nous reste quelques minutes pour conclure. Alors, Julie, si vous voulez bien revenir à ce tableau. Quand... Alors, on va regarder quelques réponses qui ont été apportées dans les différents groupes. Alors, ce que l'on a vu, c'est vraiment qu'il faut vraiment éviter cette approche en silo. On a vu donc les différents mécanismes qui étaient aussi parfois difficiles. Et de même, peut-être qu'un groupe pourrait partager une idée ici par rapport à ce qui a été échangé dans les différents groupes. Est-ce que quelqu'un voudrait échanger ou partager une idée qui a été mentionnée dans un des groupes? En fait, nous n'avons pas vraiment eu le temps, donc on n'a pas vraiment eu beaucoup d'idées. Mais je pense que par rapport aux barrières, nous avons parlé des difficultés avec ces mécanismes, justement. Ce n'est pas facile d'être efficace et efficace et dans les délais, de réagir rapidement. Donc, c'est vraiment une réelle barrière en matière d'intégration de la protection de l'enfance. Le processus de coordination ici est plutôt géré par secteur. Et c'est pour cela que parfois, c'est vraiment difficile. Ce n'est pas toujours facile ici, justement, de pouvoir travailler ensemble. Parce que chaque secteur parfois travaillent trop de manière trop isolée. La deuxième barrière au niveau de la programmation, nous avons ici échangé sur la sensibilisation des enfants et comment est-ce que les enfants peuvent ici aussi participer à ces signalements en matière de violence et comprendre en fait qu'est-ce qui est considéré comme socialement acceptable dans différents contextes. Voilà, c'est tout pour nous. Merci beaucoup. Merci parce que vous êtes revenu sur des questions très intéressantes, puisque vous avez parlé des différentes barrières sur la programmation, la coordination. Alors, n'hésitez surtout pas ici si vous avez d'autres idées pour partager ici. Alors, de même, merci beaucoup pour votre participation. Merci d'avoir participé à cette session. Merci d'avoir contribué activement et interagi avec nous. Alors, c'est vrai qu'ici, c'est parfois difficile ici de conclure sur des barrières, mais c'est sûr que c'est intéressant de pouvoir ensuite évoluer des barrières vers les solutions. Mais je vais donc passer la parole à Monica pour conclure cette session. Donc, juste avant, je voudrais vous remercier encore une fois chaleureusement. Et Monica, je vous souhaite ici une excellente fin de session. Merci, Laura. À mon tour, j'aimerais vous remercier. Merci pour ce travail. Merci pour votre patience d'avoir participé sur Mentimètre, d'avoir participé en petit groupe. Alors, c'est vrai qu'on aurait pu continuer ces échanges avec grand plaisir, évidemment. Et donc, je disais
que je remercie ici tous les participants, tous les intervenants. C'est vrai que nous avons parlé de barrières aujourd'hui, mais dès demain et dans les jours à venir, nous parlerons de comment surmonter ces barrières, trouver des solutions. Il est important, évidemment, de voir comment identifier les problèmes pour y apporter une réponse. Et c'est important de revenir sur ce plan stratégique de l'Alliance. Alors, encore une fois, merci beaucoup ici et j'espère que vous resterez aussi actifs dans les deux jours à venir. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi ou une excellente journée. Merci beaucoup et à demain.